Bonjour, peuple haïtien à la ronde badé, quel que soit côté ou à côté, dans tout coin du monde là. Bienvenue sur plateforme que nous remet en pile là. Allo Vamo, allo vérité sur Haïti, avec le monde. Dans micro, Faniel Etienne. Jeudi, c'est samedi 6 avril 2024. Nous sentons-nous contents, nous sentons-nous flattés parce que nous rejoignons toute belle fanatique noyo et ceci, moins porté pour nous, y ont très belle information. Déjà, moi, souhaitez nous bonne écoute, partagez vidéo pour plus pour nous capables de accès à ce genre d'informations. Et en plus, pas oublier quitter commentaire pour nous en bas. Ça fait longtemps que m'a cherché, m'a investigué sur président Luis Abinader. Origine ni côté de sorti que m'a déjà connu. Comment grand-parent t'es entré dans le pays, hein, parce que nous connaît, monsieur, pas un mec immigrant du tout. Et puis, dans la recherche. Du coup, pendant que je cherchais des données historiques, des données qui peuvent être capables de mettre sur un bon piste, et puis je suis tombé sous confrère, moi, Wiki Toussaint, un type pour qui j'ai beaucoup de révérence. Félicitations, mec. Ben, pendant que je suis tombé sous petite vidéo, Wiki Toussaint qui a parlé de monsieur, je me dis, bon, là, je n'ai pas besoin de continuer à faire recherche là. Et gagne en pile information que m'te gagne déjà et Wilki Bayo et puis m'bay Wilki Crédion et puis m'di non m'pa prendre pour compte moi faut que m'capable faire fanatique moi et ben vive information ça yo Wilki bon bagaille bon quitter nous avec Wilki Toussaint qui capable cap ban nous la vie Abinader grand-parents en détail bon bagaille Wilki et puis partager avec l'autre monde pour plus monde capable gagner information ça. Luis Abinader, qui moun président sa yé qui pa rate yon occasion de vil pran pouvoir en République Dominicaine pour chauffer cause yo ak Haïti. Qui côté hen sa soti pour haïtien? Qui te présente nou citoyen sa jodi a la? Non complet mystère Abinader, c'est Luis Rodolfo Abinader Corona. C'est dans la capitale République Dominicaine, Santo Domingo, 12 juillet 1967, monsieur fait. Donc, il gagne 56 l'année. Papa monsieur José Rafael Abinader Wassaf, c'est businessman et puis politicien. Il était secrétaire des finances et puis sénateur. Maman lui-même c'est Rosa Sula Corona Caba. Luis Abinader pas sorti dans mélange Afrique, Espagne, la France qui sous il y a. Non non non. Monsieur fait partie groupe ça relé Siwo Libanais. Yes. Abinader, c'est un siwo libanais. Grand-papa, monsieur, José Cécine Abinader, t'es débarqué en République Dominicaine en 1909. Juste au petit temps et après, groupe siwo libanais qui en Haïti, t'es débarqué en Haïti tout. Dans la fin année 1800, yo. C'est pour la guerre, mauvais la vie, parents Abinader t'es quitté Liban pour débarquer en Amérique. Précisément en République Dominicaine pour venir chercher la vie. Et là, c'est une bagarre habibité de connait, c'est grâce à l'immigration à un pays qui t'est accueilli qui fait lui-même avec famille t'est qu'à réaliser rêve lui. Pour moment là, monsieur t'est qu'à au Moyen-Orient avec un calache nan men. Bref, les grands-parents Abinader t'est débarqué en République Dominicaine, c'est pour El Toplata, il était jeune refuge. Après ça, il t'est installé dans la capitale pays qui c'est Santo Domingo. Si jeune José, grand-papa m'a parlé nous là, il t'est commencé travail dans une usine tabac pour un patron qui était sorti même côté avec dans Liban qui était installé depuis dans fin année 1800 République Dominicaine. Les Dominicains pral tomber en bas occupation États-Unis en 1916, José pral créer propre petit business li. C'est grand papa pap di nou la et c'est là le pral marier à Esther Wassaf qui c'est petite de Libanais tout. Comme ça, yo pral faire plus passer 9 petites et là-dedans pral gagner papa Luis Abinader. C'est comme ça parent Luis Abinader t'est installé dans République Dominicaine sin bat koné. Papa Abinader pral rencontrer maman qui pral bay ti Luis. C'est l'école République Dominicaine, il y a l'université dans l'Institut de Technologie de Santo Domingo, côté le pral prend diplôme dans la question économie dans l'année 1990. Yo. Après, monsieur pral font ti passé dans les États-Unis pour étudier gestion dans International Business School, il pral étudier finance dans Harvard University, il pral prend gestion avancée dans Dartmouth College, citoyen pral prend un bon papier et puis après il pral tourner en République Dominicaine. Et tout le monsieur pral tourner, il pral tout rentrer dans entreprise familiale, entreprise parent écrit. Bon, c'est comportement parce que tout si au Libanais, si voyez ti moun al étudier et puis il est retourné pour tourner prendre tête entreprise là. J'aime dire nous Abinader elle tourner li tout entré dans le groupe Abicor qui c'est entreprise familiale là. C'est grand papa monsieur qui t'a créé entreprise ça dans l'année 70 yo. Entreprise qui spécialisée dans le domaine construction toutes sortes,
tourisme, immobilier, yo nan ciment, yo gen université, université OEM qui gen plus passé 50 000 étudiants là-dedans, yo gen usine Duri qui fait Duri Arroz Nuevo, Arroz Diamante, Arroz Presidente, yo gen hôtel Sol de la Plata Hotel and Resort, c'est yon conglomérat. Gen Bloomberg Linea qui travaille dans cause finance États-Unis qui évalue entreprise familiale Abinadel là à plus passer 70 millions de dollars. Et c'est entreprise ça, Luis Abinadel pour faire presque toute carrière professionnelle li. Il va passer responsable projet, vice-président et puis président groupe là et post-président groupe ça, li va quitter pour rentrer dans politique pour fortune citoyen. D'après document li bay DGI dans pays République Dominicaine, j'ai déclaré 3 857 557 dollars américains. Et si nous pas connaît, Abinadel c'est un multimillionnaire. Pour question politique, c'est en 2005 citoyen ça pral rentrer dans politique côté on pral mettre le vice-président Parti révolutionnaire dominicain PRD. En 2012, il pral poser candidat pour vice-président dans pays République dominicaine. Monsieur pas jeune assez vote, li couler dans élection. Après échec ça, il décide lancer la politique à fond pour venir faire connaître bien. En même temps, tout l'a préparé élection pour 2016. Et là, monsieur commence à prendre position, à militer. Dans l'élection 2016, Abinadel va le présenter comme nouveau candidat parti révolutionnaire moderne. Élection faite et bah, Abinadel casse figuille. Danilo Medina prend sa namel. Monsieur Barbier, lui dit au temps des élections qui fait le pas bon. Et puis il dit, libéral pour yo. Pour 2020. Effectivement, 5 juillet 2020, élection faite en République Dominicaine, Luis Abinadel élu président. Ounia et rapport monsieur développé avec Haïti ou bien avec Haïtien. Problème qui va le poser là, en pile moun pa jam ka arrivé cerné problème Abinadel gagne effectivement avec Haïtien ou bien avec Haïti. Premier élément information, parti politique Abinadel en bas là qui c'est parti révolutionnaire dominicain, c'est Juan Bosch qui t'est fondé. C'est pas un parti qui réputé dans prend position anti-haïtien. Déjà, c'est un parti de gauche modéré qui t'a combat tout il y a cause massacre qui t'est perpétré sur haïtien. Et ça moun pas arrivé comprendre même en 2013 Abinadel t'est même déclaré décision cour constitutionnelle là t'est prend contre dominicain qui gagne origine haïtien sous question nationalité, il dit li injuste. Puis le monté ouest rien pas qu'on acide envers haïtien. Et bon, monsieur Nounet, jour investiture citoyen en 2020, dans discours investiture ça, il déclarait ça. Seigneur, dans ces seigneurs. Mesdames, messieurs, relation bilatérale avec Haïti, très important pour la République dominicaine. La République dominicaine. Bravo.